Je pense que la définition de ma cuisine, ma technique, oui, mais ça va être le produit, le végétal, ce qui m'intéresse maintenant, qui me donne vraiment cette joie de vivre, c'est de créer, de se remettre en question, de communiquer, d'échanger. Dans cette recette de champignons de Paris au café, je pensais une assiette de champignons, mais ce qui a été important pour moi, c'est que je me suis aperçu que j'avais besoin du café pour rendre celle-ci vivante. Voilà, je suis tombé sur un champignon de Paris, juste sur une imprégnation café-beurre. Le champignon va avoir le goût du café, le gras du beurre et garder toute sa texture et ce jus. Donc on va avoir un champignon qui va être cuit, mais il va rester croquant, juteux. L'idée n'est pas de contrer le champignon par le café, mais au contraire de trouver une harmonie entre le café et le champignon. Deux autres textures du champignon de Paris, une sous forme de chips, une sous forme de poudre, un crumble de noisettes avec une crème de panais et chocolat blanc, donc émulsionné au chocolat blanc. Et on finira le tout avec une sauce en quelque sorte, j'ai envie d'appeler ça un gel, qui sera un café expresso. Dedans, on va verser 10% de kouzu. On va être sur la couleur café au lait. Donc l'idée, ça va être de faire un sirop de pichot très voluptueux qu'on va déposer au fond de l'assiette. On va venir chercher le tout et ça va juste venir napper notre cuillère et ce côté très intensif du café. Le café va être la base et après on va apporter ce côté texture, graphisme. On va déposer notre gel qu'on va juste bien étaler sur toute la base de notre dressage. On va déposer quelques morceaux de crumble, nos champignons de Paris, déposer très naturellement dans l'assiette. Une légère fleur de sel, la purée de panais, nos chips de champignons, la poudre de champignons, de l'amarante, un peu de feuilles de moutarde, de pourpier, et on finira le tout avec de l'oxalis rouge. On commence à évoluer, on commence à faire attention au café, à déguster des cafés. C'est bien beau d'avoir une belle cuisine, un beau service ou autre. On finit toujours sur le café. C'est ce qui nous restera toujours en fin de bouche quand je fais partie du restaurant.